France Bleu Azur Matin, avec tous les jours un invité qui réagit à l'actualité. L'actualité, c'est la police des polices, l'IGPN, qui ouvre une deuxième enquête après le féminicide de Cannes. Une enquête pour non-assistance à personne en danger. Et c'est très rare, hein, Fabien Fourel. Oui, c'est très rare et on en parle ce matin avec Laurent Martin de Frémont du syndicat Unité SGP Police. Bonjour Laurent Martin de Frémont. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous. Vous êtes aussi un ami des policiers qui sont intervenus cette nuit-là sur ce féminicide. Déjà ce matin, on voulait vous demander dans quel état d'esprit sont-ils alors qu'ils sont maintenant au cœur de l'actualité. Absolument, oui, ils sont choqués. Ils sont choqués parce que vous savez qu'on a toujours à cœur de mener à bien une mission de police. En tout cas, on ne souhaite pas qu'une mission de police se termine par la mort d'un homme ou d'une femme. Et en l'occurrence, on ne peut pas être évidemment satisfait de cette mission. Les images du corps de cette femme sont insoutenables. Vous les avez eu au téléphone, les policiers? J'ai eu un de mes collègues hier au téléphone. Donc, qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah, que pour eux, c'était psychologiquement difficile. Vous savez, le métier de policier, de pompier ou ces métiers relatifs aux forces de sécurité, bah, sont des métiers qu'on fait avec plaisir. On y est rentré par passion. Et l'idée première, c'est de sauver des vies. Donc évidemment, quand vous allez au terme d'une mission, mais que vous... Au bout du compte, cette mission se solde par la mort d'une personne. Vous pouvez pas être vous-même satisfait, donc c'est compliqué psychologiquement. Ouais. Et c'est difficile, ils me l'ont redit, et les images ont été, même pour eux encore aujourd'hui, les images, encore une fois, du corps de cette femme sont intenables, sont insoutenables. Christophe Castaner, ce matin, sur France Bleu Azur, parle d'un échec, de la police dans ce dossier. Mais je pense que Christophe Castaner sait pertinemment aussi que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Si le ministre de l'Intérieur parle d'un échec, je pense qu'il évoque aussi cet aspect que je viens de développer avec vous, c'est-à-dire que les policiers sont là évidemment pour protéger, pour secourir, oui, pour assister, et qu'en l'occurrence effectivement la mort de cette jeune femme peut nous amener à dire que c'est un échec. C'est un échec. Oui, dans ce sens-là, comment voulez-vous qu'on parle évidemment de réussite, de mission qui a réussi quand vous savez que la personne est décédée. En revanche, dans la façon d'intervenir, je ne vous parlerai pas d'échec. Tout est perfectible, hein, dans la police. Vous dites ça, mais une témoin à France Bleu Azur affirme clairement avoir appelé deux fois et que les policiers ont tardé à prendre l'appel en compte et à se déplacer. Quand on entend une témoin qui dit une femme se fait frapper, elle hurle, on ne se déplace pas tout de suite? Ah, bien entendu, bien sûr qu'on se déplace tout de suite, sauf à dire que depuis dimanche matin, on entend de plus en plus de témoins. Alors peut-être qu'effectivement les langues se délient. On parle un petit peu plus, sauf que nous, on s'en remet au factuel. Le factuel, c'est quoi? Le factuel, c'est le suivant. Il n'y en a pas d'autre. Nos collègues, à 2h du matin, aux alentours des 2h du matin, vous me ferez grâce de une ou deux minutes, ont été appelés par leur station directrice. Ils se sont rendus sur les lieux de la commission de l'infraction et ils ont vu en l'état deux témoins. D'abord, ils ont mis pied à terre, parce que c'est le rôle de la police. C'est-à-dire que quand on arrive sur des lieux, on descend, on fait ce qu'on appelle une visue, et on tente de mener une enquête de voisinage. Ils ont eu un premier témoin, effectivement, qui s'est présenté à eux, avec un témoignage, je vais être très honnête avec vous, qui était très confus. Il était tellement confus que les renseignements qui ont été donnés ne permettaient pas de mener les investigations plus loin. Et puis finalement, ils ont eu un deuxième témoignage, le témoignage d'une femme, qui par la fenêtre, a précisé en tous les cas avoir vu un différent, très violent, indifférent verbal, avec des injures proférées, des menaces, mais elle n'était pas dans la capacité de nous donner un quelconque renseignement quant à la description de l'individu. Alors, quand vous n'arrivez pas à avoir de descriptif vestimentaire, quand vous n'arrivez pas à avoir de direction de fuite, quand vous êtes policier, j'insiste là-dessus, c'est très important. Mais vous ne fouillez pas la rue à ce moment-là? Non, mais attends, j'en viens. Vous n'avez pas de protagoniste sur place. Vous n'avez pas de victime. Vous n'avez pas d'auteur. Vous êtes fonctionnaire de police et vous avez dans le même temps, à Cagnes-sur-Mer, comme sur toutes les circonscriptions de sécurité publique en France, des affaires qui s'annoncellent. Donc vous faites votre travail, vous faites des recherches sur place. Vous allez vite, en quelque sorte, c'est ce que vous dites, on va vite. Vous avez un effectif de police sur les circonscriptions, d'accord, qui peut être rejoint par une BAC. Vous avez tout au plus, comme ça, la nuit, ce qu'on appelle deux véhicules équipés. Pour des circonscriptions de 70 000 habitants. Il faut aussi que vos auditeurs et les téléspectateurs comprennent bien, j'en veux pour preuve, regardez, j'ai reçu, c'est intéressant ce que je vais vous dire, j'ai reçu un message WhatsApp cette nuit, me précisant que sur la circonscription de Grasse, un de nos collègues avait été blessé.
cette blessure a occasionné ce qu'on appelle un déséquipage. Ça veut dire qu'à Grasse, cette nuit, il n'y avait plus de police nationale. Les moyens qui manquent, en fait, c'est ce que vous dites. Bien entendu. C'est ça le problème à Cagnes. À Cagnes comme ailleurs, hein, ouais. On manque de moyens aujourd'hui dans la police nationale, on manque d'effectifs, c'est pas tant, tout le monde le sait. Et en même temps, aujourd'hui, ce qui est difficile pour nous, c'est d'assister à ce procès qui est un petit peu compliqué, je vous le cache pas. Bon, en tout cas, on a bien entendu, et je retiens que vous reconnaissez ce matin un échec de la police dans ce dossier. Je précise, quand on parle d'échec, c'est parce que la mission s'est soldée par la mort d'une femme. Sur la façon, sur le mode d'intervention, il n'y a pour nous pas d'échec. Tout est perfectible, en tout cas, mais il n'y a pas d'échec. Vous avez choisi de l'énoncer sur France Bleu Azur. Merci et bonne journée à vous, Laurent. Merci à vous. Et vous pouvez revoir, réécouter cette interview sur francebleu.fr. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.